fait un doctorat axé santé, donc c'est un doctorat de biologie. J'ai travaillé sur la musique et le langage. J'ai fait un doctorat en chimie numérique. J'ai fait ma thèse sur l'oxydation du chardonnay. J'ai travaillé sur le contrôle tolérant au vieillissement des systèmes piles à combustible. Et j'ai fait une thèse de doctorat sur la représentation du migrant dans la littérature italienne narrative et contemporaine. Antoine Gobert, nous avons encore pas. On a reçu une attestation de diplôme pour la charge de doctorat, d'accord. Maintenant, on est docteur. Moi, je suis docteur en langue étrangère. Je tenais absolument à être ici aujourd'hui, justement, parce que, je sais pas, c'est spécial. Enfin, c'est de l'émotion, c'est beaucoup de choses. C'est 3 ans et demi de travail acharné pour justement assister. C'était mon petit moment de gloire. Pour moi, c'était un peu ça, d'appeler mon nom parmi d'autres noms et puis de dire que je suis docteur. Ça fait plaisir. Voilà. J'en avais vraiment besoin. Moi, une soirée comme ça, c'est la première fois que j'ai une remise de diplôme de tout mon cursus. Donc, une soirée officielle, donc ça marque un peu la fin aussi. Cette occasion me donne aussi l'opportunité de connaître mes collègues, donc ceux qui sont maintenant mes collègues, parce que les autres docteurs de l'Université de la UIBFC. Donc, c'est un moment aussi de retrouvaille, de partage, et plus bon de rencontre. Ça permet de voir aussi toutes les écoles doctorales et toute la diversité des sujets de thèse. Du coup, c'était intéressant pour ça. Parce que nous, on est vraiment dans notre monde, à H24, donc là, ça permet d'avoir un plus grand panel de doctorats possibles. Et ça fait plaisir de revoir aussi certains copains qu'on s'est croisés tout au long de la thèse, pendant ces 3-4 ans, et de se recroiser comme ça, c'est aussi intéressant. On valorise un peu le diplôme en se détendant, en écoutant de la musique avec les petits fours, les petits verres de crémant.